Wesh les mecs, bien ou quoi? Petit review sur Hakimi les mecs, oui, petit review, oui, je suis vraiment un pigeon les mecs. Je fais tous les SBC, vraiment, je vous le dis, je fais tout, c'est trop. Pour faire l'intro, je me suis dit, je vais faire un petit pack, on sait jamais les mecs, on comme ça. Et après, je vous dis comment je joue pour Hakimi et tout. On va voir tout ça, tous ensemble, voilà. Allez, un petit lore pour commencer la review bien, tu vois. Allez, y est, vous pouvez le faire. Ok, c'est, putain, c'est un touch, Espagne, BU. Pa, ouais, on commence bien. Ouais. On commence bien la vidéo, oui, les mecs, oui. Ah là là, dur. Mais je pense qu'on en fera trois des trucs comme ça. On verra. Bref, les mecs, voilà la team avec laquelle je vais jouer pour Hakimi, les mecs, voilà. Pour l'instant, j'ai pas encore réfléchi comment le jouer, mais pour l'instant, je pense j'ai une idée. Je vais le jouer en tant que MDC, je pense, avec Carvajal et Hakimi. Même s'il a 80 de défense, je sais pas, je verrai. Je verrai franchement Modric en tant que Mossé. Les mecs, voici la team. Voilà, j'espère que. Voilà. Bref, les mecs, je vous laisse avec la review. Voilà. On se dit à tout à l'heure pour la fin. Vas-y, les mecs. Ciao, ciao. Vas-y. Bon, reviens à vous. Wesh les mecs, du coup voilà les mecs, on a fait 2, 3, 4 modes, je crois, je sais pas. Avec Hakimi, alors qu'est-ce que j'en pense? Je l'ai testé en 3 milieux avec Modric, Carvajal et tout. J'ai pas trop kiffé. Au milieu de terrain, j'ai pas trop kiffé. Mais en 4-2-3-1, en pur émossé, il était pas mal. Il marquait 2-3 buts, il faisait des passes D et tout. Il était pas mal en pur émossé. Mais son meilleur poste. Ça restera, je sais pas, plutôt vers MD et DD. Mais le problème du DD, c'est qu'il manque un peu de défense quand même, je trouve. Pour un défenseur droit. Sa carte, en fait, elle est plutôt offensive, en fait, comment dire. Elle est plutôt pour l'attaque, on va dire, entre guillemets, tu vois. Mais moi, c'est une carte que je conseille pas trop, en vrai, parce que c'est une carte que je conseille pour le prix, tu vois. Le prix, c'est abordable et tout. Mais je vous conseille si vous êtes plutôt marocain ou si pour le PSG, tu vois, c'est plutôt pour le cœur que je vous conseille, entre guillemets, tu vois. Mais pour la méta, en gros, je sais pas. Moi, je l'ai fait juste parce que Asie, stylé, tu vois, il vient un peu. Et j'aime bien tester des cartes, moi, tu vois. C'est la fin du jeu, j'en profite, tu vois, pour tester 2-3 cartes. Je l'ai fait avec gratuitement, en plus, gratuitement, presque. J'ai mis l'Ottawa et tout, et c'était easy. Bon, les mecs, voilà. Mon avis sur Hakimi est mitigé un peu. On verra en futur ce que ça donne. On sera en live, je pense. Aujourd'hui, je sais pas si on va être en live, ça veut dire, c'est-à-dire mardi. Moi, actuellement, là, pendant que la vidéo sort, je suis à l'aéroport. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de rentrer et de stream parce que je vais être KO, je pense. Je vois pas. Peut-être pour un mercredi pour stream. On verra, les mecs. On verra bien. Sinon, les mecs, je vous dis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter surtout. Et surtout, à me suivre sur mes réseaux. Surtout sur Snap, les mecs. Sur Snap, c'est très important, les mecs. On essaie de créer un petit commentaire sur Snap, tu vois. Vous voyez, les mecs, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Snap, les mecs. Voilà. Allez, les mecs, ciao. Allez.